Salut à tous, ça y est, c'est le grand jour, on est parti pour la Pixel D. Donc aujourd'hui, je prends le départ pour aller au-dessus de Lyon. Donc j'ai environ 3h30, 4h de route pour aller rejoindre mon pote Arnaud. Il doit être 7h40, un truc comme ça. Alors, je finis de préparer mes affaires et je décolle, je vous ferai quelques images un petit peu de tout le périple. J'espère que ça vous plaira et je vous dis à plus tard. À peu près à la moitié de la route, je suis à Valence, je vais aller me boire un petit café. Je vous avais dit 3,10€ le café. Regardez cet homme heureux, cet homme musclé. À peine arrivé, on repart déjà faire un petit tour des caches. Ça y est, il est 6h45. On est parti à Belgique. À quoi 5h, 6h de route 5h20. 5h20 de route. Et on sera sur place. Gros Arnaud qui mange encore et toujours. Gros Arnaud, je fais 75 kilos. 75 kilos, c'est pas ce que disait la balance hier. Les plans de Mamax ont voulu une vraie friterie et nous amènent là. Ce petit truc qui est fermé. Alors les gars, combien de budget les gars pour la Pix là? Hein, Thank you.
achète des castles, on achète des EDF pour l'électricité, on achète des crystal box pour faire un game bois, on achète du grass tax. Ah, des classiques, c'est, hein. Des crazy de tax sur les. Gros niveau. Du Magical Quest, du Diver, parce qu'on a tous des Pex. On achète des gros niveaux parce qu'on a des trucs sur la ville. Voilà, on achète du Roller Games parce que les gens connaissent pas. Ça, je connaissais pas, ouais. Ouais, ça, je connaissais pas. C'est une Amicom qui m'a découvrir, à découvrir, du coup, ouais, à découvrir. Ah oui, bah c'est mieux, parce que c'est les couverts, tu vois plus rien. Le Gradus 3, on est à tout péter, mes 30 balles, donc voilà. Ah oui, il a ramassé quand même. J'ai dit tout péter, hein, mais bon, c'est son prix. C'est son prix, voilà. Et puis, le prince de Perse pour les rois du piercing. C'est beau. Voilà. C'est beau. Il faut ce qu'il faut, mais un petit peu, hein. Et on précise qu'on vient de commencer, hein, c'est le début. Ouais, c'est le début, ça fait une heure que c'est ouvert. Ça fait une heure que c'est ouvert. Une heure de salaire en Russie, voilà. Qu'est-ce qui s'est passé, ma Max, là? Qu'est-ce qui s'est passé, là? C'est le syndrome Pixel Day. J'ai fait des bêtises. Sérieux, fort. C'est pas des vraies bêtises. Sérieux, sexy. C'est des bons jeux. Deux. C'est le deux. Ça, c'est le sexy. C'est dans quel sens? De toute façon, c'est bon. C'est une star. C'est barrage de cheveux dessus, mais c'est pas grave. Alors il y a que du lourd, hein. C'est du lourd, hein. Que du bon, tout est complet, monsieur. Ça y est, on est sur le retour, du coup, on est parti de la pixel à 14h et c'est l'heure. Je fais le gros bras. Non, celui-là, là, on est à quoi, 18h30, on est à 4h de route, là, et on est en train de rentrer chez Arnaud tranquillement. On a passé un bon week-end, non? Ouais, on a passé un bon week-end. Alors, qu'est-ce que t'as pensé par rapport à l'année dernière, toi? C'était un week-end de ouf, hein. On a fait les poteaux, les pauvres. Des bons restos. Des restos, ouais, on a mangé des choses qu'on n'avait pas l'habitude de manger. Ouais, vous l'avez vu ou vous le verrez dans les vidéos. Et non, c'est bien régalé. Enfin, voilà, c'est ces événements, c'est pas seulement acheter des jeux, quoi. Voilà, c'est tout ce qu'il y a autour au final, hein. Plus qu'acheter des jeux. Acheter des jeux, on peut le faire un peu partout. Surtout qu'on s'échinait un peu à droite à gauche. Mais on se retrouve tout à l'heure, je pense qu'on vous fera un compte rendu peut-être avec Arnaud. Ah, c'est sympa. Ouais, pour vous présenter un petit peu ce qu'on a pu se procurer. Et puis pour vous montrer un peu le type de pièces qu'on peut quand même trouver sur l'événement. Allez, ça y est les amis, on est à rentrer sur Lyon. Donc on a fait quoi, 8 heures de route pour le retour. Avec les pauses, ouais. Ouais, avec les pauses, on s'est mangé un peu 8 heures de route. Donc on va faire notre compte rendu d'achat avec vous. On voulait parler un petit peu d'abord de qu'est-ce qu'on a pensé de la convention. Donc toi, t'en as pensé quoi? Moi, ouais, j'ai bien aimé. Ouais, c'était vraiment mieux aimé que l'an dernier. Ah ouais, toi t'as préféré? Ouais, l'an dernier, moi j'ai. L'an dernier, j'avais été beaucoup déçu. Ah oui. Parce que j'avais fait des achats un peu. Surtout, j'avais une année extraordinaire il y a 2 ans et je le voyais vraiment comme un Eldorado. Ouais. Et donc l'an dernier, j'avais quasiment rien trouvé, en tout cas à bon prix, quoi. Ouais, j'ai fait plein de petits achats qui au final faisaient une grosse dépense. Ouais, toi t'avais fait des achats un peu pour combler le fait d'être venu, quoi, l'an dernier, je me rappelle, tu m'avais dit ça un peu. Et notamment une PLV l'an dernier que j'avais prise parce que du coup j'avais vraiment pas peu touché à mon budget, que du coup sinon en temps normal j'aurais pas prise. Et donc cette année j'étais parti avec moins de budget, j'ai bien regretté. Ouais. J'ai bien regretté, ouais. Parce que c'était pas des bonnes affaires, hein, vous verrez juste après. Ouais, mais c'est des choses qui m'intéressaient, c'est des choses que je cherchais depuis un petit moment et qui m'intéressaient, donc cette année je suis plus content. Et puis je pense que cette année j'ai un petit peu plus profité des gens aussi. Ouais, moi c'est pareil aussi, j'ai moins... Moins tourné. J'ai moins cherché la bonne affaire. Moi aujourd'hui par exemple j'ai pas tourné, dimanche. Quasiment pas, ouais. On a discuté avec les gens, on a pu refaire des rencontres, de voir les gens qu'on voyait les autres années, puis encore faire de nouvelles rencontres, des gens qui étaient jamais venus. Je pense à Nicolas Perret, développeur de Motoracer sur PlayStation, qui a un puits de science incroyable de discuter avec lui. Il a une chaîne YouTube, Docteur JV, c'est de la vulgarisation scientifique, c'est vraiment incroyable. Ouais. Non, et super sympa. C'est vrai que moi c'était un peu pareil. Alors l'an dernier, moi j'ai fait pas mal de bonnes affaires. Oui, c'est vrai. Moi j'avais fait, j'étais très focus Master System, alors c'est pas ce que tout le monde cherche, mais cette année j'ai remarqué que quand même... la Master System l'an dernier était pas chère. Cette année, après c'est aussi qu'on commence à avoir beaucoup.
Ouais, donc j'ai des petits trucs qui manquent. Mais j'ai moins cherché, j'avoue que j'ai moins fouillé les bacs, moins. Donc je saurais pas dire si. Je suppose que par exemple, support CD, il y avait moyen de faire des. J'imagine, tu vois. Peut-être PS2, Xbox, mais j'avoue que j'ai pas regardé du tout. Voilà, après moi j'ai vu des bonnes affaires. Sur j'ai pas regardé, tu vois. Un peu sur tous les supports, j'ai vu des bonnes affaires, notamment notre Armin Karim. Il a pris des jeux NES à 10€ pièce. Ouais, NES, c'est vrai. Qui était sans notice. Ouais, c'est vrai que c'était pas des gros titres, hein, c'était des golf, même des trucs comme ça. Le Turtle, il l'a pris complet, il l'a pas payé cher aussi. Ouais, non, mais c'est vrai qu'il a vraiment pris tout un petit lot de jeux moyens sur NES, mais à 10€ le jeu en boîte, hein, ouais, mais sans notice. Je pense que pour quelqu'un qui manque des pièces communes, ouais, il y avait moyen de vraiment. Et c'était c'est pour le coup ce genre d'affaires, hein, c'était le samedi à 15h. Hein, ça veut dire que les gens étaient passés, repassés. Je crois que le Turtle, il l'a pris aujourd'hui, donc dimanche, dans l'après-midi, tu vois. Mm. Ou dans un mandat qui était probablement là hier. Déjà, oui, oui. Ouais. Donc, après, ce que je dirais, sur les grosses pièces, c'était quand même assez. C'était au prix. Ouais, voire. En fait, c'était au prix, mais tu pouvais négocier. Ouais. Mais par contre, tous les vendeurs là-bas, ils sont quand même enclins à la négo. Ouais, c'est vrai. Après. C'est rare que les gens te disent, ah non. Bon, j'en ai déjà parlé plusieurs fois. Hein. Moi, j'avais constaté une baisse sur certains titres, sur certaines grosses pièces. Au niveau des vendeurs à la Pixel D, les grosses pièces, ça n'a pas baissé. Hein. C'est vraiment pour attirer les gens. Ouais, c'est des appels. C'est pas une grosse pièce, mais c'est une pièce moyenne. Je vous citais parce qu'on en a parlé tout à l'heure, vu qu'on a fait la vérification. Moi, j'avais craqué tout mon budget et ce matin, j'ai vu un Omega Boost sur PlayStation 1. Donc, c'est pas une grosse pièce, mais c'est quand même une belle pièce. Pas très commun. Voilà, c'est pas commun. Moi, je l'avais jamais vu en vrai. Bon, après, je l'avais jamais vraiment cherché non plus avant de le connaître. Mais c'est donc, pas c'est un shoot vu de dos fait par ceux qu'on fait contre Turismo. Donc, c'est techniquement, c'est assez propre sur PlayStation. Et il était à 100€. Donc, je l'avais jamais vu. Je sais pas ni si c'était un bon prix, ni si c'était un mauvais prix. Donc, avant de se faire ce type d'achat, je pense que j'aurais vérifié sur mon téléphone. Ouais. Mais par contre, du coup, on a regardé ensemble sur eBay, en version française complète, il est en achat immédiat à 50 et il part pas. Voilà. Il y en a pas beaucoup. Il y en a très très peu. Il y en a un à 90. À 90, voilà. Ouais. Donc, voilà, faut quand même vérifier. Voilà, c'est ça. Et puis après, il y a des jeux, voilà. Bah, je pense notamment au Kiki Kai Kai 2 qui était pas non plus mint. Ouais. 1000 balles. Voilà. C'est quasiment le double en fait de ce que ça vaut pour l'état dans lequel il était. Peut-être c'est 500, 600, je sais pas. Mais par contre, ce que je peux dire, c'est que, et c'est vrai, ça a été dit dans plein de vidéos à la Pixel de plein de gens, c'est qu'il y a quand même. Enfin, tu veux voir de la grosse pièce, il y en a. Ouais, c'est clair. Tu vois, tu vas trouver du Eliminate Down, tu vas trouver du Eliminate Buggy Down. Run. On a vu Buggy Run, oui, sur Master System. Tu vas trouver. On a vu le jeu Game Gear, on peut le dire. Deadline. Il y avait un Deadline, il y avait des Elemental Master. On a vu Street of Rage 2 sur Game Gear. Version Tectoy brésilienne dans une boîte de Master System. Ah ouais, alors là, je connais. Moi, j'avais jamais. Et en fait, le mec, il savait qu'on n'allait pas l'acheter, mais c'était un passionné, il nous l'a ouvert. Ouais, c'est vrai que c'était très et à l'intérieur, à l'endroit où il y a la cartouche Master System, il y avait une petite cale en plastique. Comme un moule qu'il y a dans les jeux Neo Geo AES, pour ceux qui connaissent en plastique. Et dedans, la cartouche Game Gear. C'était assez incroyable. Ouais, c'était moi, c'est la première fois que je voyais ça. Ouais, moi aussi. Buggy Run, c'était la première fois que je le voyais en vrai. Ouais, pareil. Après du End Deadline, t'en vois pas tous les jours non plus. Ouais, c'est vrai. Mental Master, il y en avait plusieurs. Pour ceux qui font la PC Engine, il y avait le même vendeur, avait Magical Chase. Il avait les deux versions. Il y a deux versions qui existent. Ouais. La version de base et la version qui était à gagner par le magazine PC Engine Fan. On pourrait croire qu'elle est plus rare, mais en fait, peut-être c'est plus rare, je sais pas. Mais en tout cas, ça valait le même prix. Et il les avait les deux au même prix. Il en a vendu une sur les deux, je sais pas laquelle. Ouais, il y avait des très belles pièces. Ouais. Du Ninja Warrior, j'en ai vu deux, trois. Ouais. C'est quand même pas des jeux. C'est quand même pas des jeux que tu vois tous les jours. Pour ceux qui collectionnent la Game Boy Color, il y a une rareté absolue. On la trouve que en Angleterre et encore, c'est pas souvent qu'on la trouve. Il y avait par exemple, j'ai vu, alors là c'est intéressant pour être vu, hein, pas pour être acheté, Moomin's Tale. C'est un jeu avec un petit hippopotame sur Game Boy Color. Ouais, je connais pas. Après, si vous le cherchez vraiment longtemps en Angleterre, après en Angleterre vous allez l'avoir à la douane et tout, mais vous allez le trouver à, je pense, 250-300€. Là, il était à 600 par exemple. Ah ouais. Donc même avec la douane, faut le prendre sur eBay à 300. Enfin, mais moi, c'est un jeu que j'avais jamais vu en vrai, par exemple. Ouais, c'est ce que tu disais en termes de. Non, il y avait des versions suédoises aussi. Je sais pas si tu les as vues. Des rentals, sur Mega Drive. Ça, c'est pareil. Ouais. Et puis il y en avait pas une. Ouais, il y en avait sur le même vendeur. Il y en avait 5 ou 6. Ouais, c'était sur le même vendeur. Et ça, c'est pareil. C'est pas. Enfin, moi, chez mon indé ou dans les boutiques, je ne l'ai vu en fait. Le M82 en boîte. Avec la boîte est très moche. Bon. C'est un carton. Ouais. Mais 12 000€. Voilà, autant vous dire que là, le vendeur, il met le prix qu'il veut et que c'est n'importe quoi.
Le pack Jurassic Park Mega Drive. Alors là, le point, il était à son prix, malheureusement. C'est un jeu qui vaut entre 1000 et une console qui vaut entre 1000 et 2000. Et ouais, c'est malheureusement. Je sais pas s'il est parti, parce que nous, dimanche à midi, il était pas parti. Ouais, mais après, on en discutait avec Nia et il disait qu'il l'avait quasiment jamais vu. Après, si on peut dire, par exemple, sur Game Boy Advance, moi récemment, je viens d'acheter Drill Dozer, qui est un jeu assez peu commun, qui est sorti que aux États-Unis et au Japon, par les créateurs de Pokémon. Et donc ça vaut quand même assez cher. Et, Game Freak. Comment ? Game Freak, ouais. Ouais. Et ben là il y était. Et en fait, moi je l'ai eu payé moins cher, mais avec les ports et la douane, ça m'a fait. Il était à 300 et c'est exactement ce que moi j'avais payé quand je l'ai pris. J'ai pas fini de le payer d'ailleurs. Après, honnêtement, moi j'ai été bluffé par le nombre de grosses pièces, même peut-être plus que l'an dernier. Je sais pas, l'an dernier j'ai vu un Power Strike 2, mais alors c'était toujours les mêmes stands, ceux qui mettent les prix, ils étaient beaucoup plus chers. Sur leurs grosses pièces. Sur leurs grosses pièces, ils sont trop. Mais comme s'ils voulaient pas les vendre. C'est comme si vraiment. Mais d'ailleurs, ils les avaient encore de l'an dernier. Pas le Power Strike 2, il était pas, mais d'autres trucs qui étaient là de l'an dernier. Ouais, mais je pense vraiment que c'est de la vitrine pour rappeler. Et s'il dit si je le vends, bah je fais un coup de pouce, je fais un gros coup. Mais moi j'ai été choqué vraiment de la rareté de certains titres. Il y avait un Sharp 68000. Oui. Il avait baissé son prix, parce que c'est un vendeur qui l'avait déjà vendu. Il était à entre 1000 et 2000 euros. Je vais dire 1500, même si je suis pas sûr. Ça paraît une somme énorme. D'ailleurs, il l'a pas vendu ni l'an dernier ni cette année. Malheureusement, c'est le prix. Ça pèse extrêmement lourd. Donc, si vous l'importez du Japon, ça va coûter une fortune. Et puis, au risque et péril d'arriver à exploser. Et puis, il avait des jeux qu'elle avait avec. Alors, je sais pas s'ils étaient inclus ou si c'était négociable dans le prix. Mais vu que ça fait 2 ans qu'il l'avait. Ouais, ça vaut très cher, mais c'est aussi très difficile à vendre. Donc, mais c'est quand même quelque chose que on voit jamais. J'ai été bluffé. Il y avait quand même vraiment plein de packs peu communs. Alors, pareil, j'ai envie de dire toujours les mêmes vendeurs, le Roi Lion, les packs le Roi Lion, Aladdin. Mais en état quasi mine. Quoi. Alors les prix, bon, faut pas. Tu vois le vendeur lequel je veux dire. L'an dernier, il était là, je crois aussi. Ah oui, dans le Jupiter. Ouais, je vois. Mais il est là, il est de ma région, donc je vois très bien qui c'est. Et les prix sont. Ouais. Lui, bon, sur les packs. C'est du bel état, les packs, mais. Après, c'est quelqu'un qui tu peux lui demander à quel jeu vidéo il a joué récemment. Il n'a pas joué à un seul jeu vidéo de sa vie. Hein. Il approche des 60 ans. C'est son taf, quoi. Il est là depuis toujours, par contre, dans la région. Il a de très belles choses. Moi, je regarde même pas ce qu'il a dans son stand parce que c'est eBay x3, en fait. Ouais, voilà, c'est à peu près ça, ouais. C'est à peu près ça. Après, il a de très belles choses. Ouais. Mais bon. Il y a de très belles choses en pâle. C'est beau pour pour la balade et regarder les packs. Mais après, Enfin, c'est pas un stand qui m'intéresse. Tu peux même pas discuter avec lui, quoi. Enfin, C'est mort. C'est entre guillemets sans péjoratif, un vieux, en fait. En fait, il faisait dans ma région, il faisait du jouet. Avant de faire du jeu vidéo en brocante, ils avaient vidé le grenier. On n'est pas là pour. C'est un des rares. Mais on voit des belles choses. Tu pourras pas négocier. Mais dans la majorité du temps, franchement, les vendeurs sont top. Je pense notamment au. Alors, je sais plus comment c'était le nom de leur boutique, là, les deux frères. Ah, c'est une boutique ? Pas physique, mais ils ont un nom, je pense, d'entreprise, Mais en tout cas, notamment leur stand, parce qu'il y avait vraiment deux gros stands Jap. C'était eux et le stand d'Akiba, quoi. Kibak a toujours un stand monstrueux et qui est super gentil. Ouais. Parce que tu as vu sur Mega Drive, pour ceux qui font la Mega Drive, il y avait Mega Man The Wily Wars en PAL. Je l'ai pas vu. Il y en avait eu, oui, il y en avait. Ah, ouais. Je sais pas s'il était avec Notice ou pas. Je l'ai pas vu. En SNES US, il y avait Evo, qui est un très gros titre aussi de la Super Nintendo en US, et d'un titre d'NX. Après, tu voulais dire Radiant Silver Gun, il y en avait. Des Suku Grentai, je crois que j'en ai vu aussi. Ouais, après, moi non, mais il y avait vraiment. Mais vraiment, enfin, je veux dire, tu voulais de la belle pièce, peu importe le support, franchement, il y avait de quoi même se faire en, plaisir. Même en Game & Watch. Moi, j'ai vu qu'aujourd'hui, j'avais plus d'argent. Le dernier tabletop qui manque, c'est le Snoopy. Il l'avait cher, mais le prix normal. Combien en fait, 500 ou 400, je ne me rappelle plus. Il avait les 4 tabletop, Mais, le Snoopy, c'est lequel, couleur? Il est jaune. C'est le jaune. Il y était, c'était hors budget pour le coup, mais voilà. Il y a un moment donné, c'est ça qu'on disait, le budget. Quand je dis le prix, c'est complet en boîte, évidemment, avec les deux cales, la notice et version française, que ce soit au niveau des touches sur le truc, que de la notice et de la boîte. Hein. Moi, c'est vraiment pas mon univers. Toi, je sais que tu t'aimes bien, on en a discuté dans la bagnole, Ça, c'est de la collection pure, quoi. C'est peut-être. Après, encore une fois, moi, c'est ce que je vais dire, parce qu'on va parler de prix de toute façon. Nous on est du sud de la France.
tu peux pas dire j'y vais pour faire une bonne affaire déjà de base. Mmh. Bon, toi tu présentais le jeu, donc forcément. Ouais. Mais moi je peux pas dire, même si je fais une putain d'affaire, mmh, le coût du voyage me coûte tellement cher que dans tous les cas, c'est pas une vraie affaire. Tu, ouais, tu vois ce que je veux dire? J'y vais vraiment plus pour le. Moi c'était vraiment plus pour le partage avec les copains, le moment ensemble, le week-end, les grillades, le truc. Tu vois qu'au final, acheter les jeux, parce que moi le voyage il m'a coûté cher, tu vois, plus l'hôtel. Donc même si tu fais une putain, ouais, d'affaire sur un gros jeu, oui, c'est ce que je veux dire, je fais un clic sur eBay, je le paye au prix, et tu vois ce que je veux dire, c'est plus pour le week-end, donc faut, voilà, aussi voir les choses comme ça. Ça. Bien sûr, bah de toute façon, ce serait un peu débile par exemple, de diviser, tu prends le prix des restos qu'on a payé, tu voilà, divises sur le truc par les jeux, c'est quand même sûr. Tu vois, entre les restos, les sorties, les trucs, je veux dire, en final, t'es content quand tu fais une affaire, mais c'est un, ouais, plus quoi. Voilà. C'est vrai, c'est vrai. C'est, enfin, moi, clairement, c'est. Après, c'est... ça ferait mal de rien acheter non plus. Quoi. Avec tout ça. Ah oui, tu fais 2000 bornes dans le week-end, ouais, et, ouais, et tu trouves rien, c'est sûr, ça fait chier, ouais, quoi. Mais bon, ne rien trouver là-bas, c'est qu'il faut soit être un collectionneur qui fait un support et qui a quasiment tout. Enfin, ouais. Pour rien trouver là-bas, ouais, faut quand même en vouloir, quoi. Ouais, c'est vrai. Si tu prends le temps, tu vas, ouais, trouver, quoi. Ouais. Et vraiment tout. Et ouais, dans nos potes, il y en a qui ont acheté de la CDI, de la 3DO, enfin, je veux dire. Il y avait quand même, ouais, un truc, il y avait vraiment de l'exotique. Il y avait de l'année où je l'avais, il y en avait un peu plus que les autres années. Ouais, moi c'est vrai que je regarde pas trop, mais j'ai vu qu'il y en avait, quoi. Ouais, ouais, ouais. Mais après, un prix normal, mais prix normal pour l'année où je l'avais, c'est hors de prix. Donc, voilà, et puis tu peux le voir sur place. Ouais. C'est pas internet, tu peux le. Ouais. Après, je me demande si tu as les gros jeux, si les mecs ils vont te les ouvrir devant toi. C'est... Parfois, vaut mieux peut-être être avec internet, pouvoir ouvrir en ouais, mais tu peux le voir, tu peux le voir et lui dire voilà, garde-moi, ouais, de côté, et puis ouais, on, ouais, se recap pour l'ouvrir. Ou revenir à la sortie, le oui, soir, voilà, le soir ça, pour l'ouvrir, tranquille, ouais, c'est... prendre le contact et j'imagine, lui mettre, ouais, de côté, laisser un compte. J'ai quand même vu un Metal Slug 3 ah ouais, en original. Moi, ouais, c'est vrai que j'ai pas regardé la Neo, ouais, parce que moi, j'en fais pas, mais. Non, mais c'est vrai que voilà, pour conclure sur ce truc, c'est vraiment un bel endroit de partage. Ouais. Et où tu vois vraiment, ne serait-ce que pour le plaisir des yeux. Des blisters aussi, il y avait masse de blisters. Oui, il y avait du blister. Des blisters rigides, oui, de partout. Ouais, ouais, c'est, tu voyais du blister. Bon, après, bon, je pense pas qu'ils en ont vendu beaucoup. Enfin, ouais, notamment un stand sur lequel moi j'ai acheté des trucs, mais ils font pas des blisters. Pas. Ah, ils avaient des blisters à 5000 euros et compagnie. Ouais, voilà, c'est... ça... On m'a dit qu'il y avait un Resident Evil 2 N64 sous blister. Ouais, je l'ai pas vu. Mais après, on m'a dit un blister souple. Alors, j'avoue, oui, j'y connais rien en blister sur. Mais bon, il y avait des très belles choses. Et du coup, on va vous présenter un petit peu ce qu'on a, oui, ce que nous on a pu se récupérer en fonction des. Et on va vous dire un petit peu les prix, les, oui, prix qu'on a pu acquérir. Alors moi, je vais pas dire que j'ai fait de très grosses bonnes affaires, mais quand même des prix cool. Pour moi. Enfin, ouais, moi j'ai. Je pense que ce que j'ai acheté, c'était au même prix qu'internet. C'est voilà, voilà. Que... Après, c'est des choses. Bon, j'ai un jeu, j'ai acheté. Vous le verrez pas en fait. Enfin, puis il y en a, ça se trouve, je vous dis ça, mais il y en a peut-être un sur eBay, tu vois, ou un truc comme ça. Mais franchement, c'est vraiment un truc que moi je vois jamais. Quoi. Ouais, donc, voilà. Après, c'était au prix normal, je pense. Ouais, moi je pense. Au prix auquel il partirait s'il sortait en fait. Dans les trucs qu'on a acheté, après, c'est des trucs, c'est pas des trucs que tu vas trouver à 5 balles, quoi. Enfin, ouais. Hormis là, tu vois, ouais, je vais commencer avec cette pile, moi. Je vais commencer avec le plus vieux. Ouais. On fait quoi? On fait par ordre. De ça, ouais, enfin, tu vois, par ordre de sortie à peu près. Par ordre que. Ah oui, non, par. Ah oui, par l'eau, oui. Bah, je présente mon premier. Ouais, bah voilà, moi j'ai. Il y a un vendeur, alors je sais plus, c'était le samedi. Le samedi, il y avait un vendeur qui avait pas mal de Master System. Et du coup, je lui ai pris quelques petits jeux pour grouper avec un jeu que je cherchais depuis un moment. Donc j'ai pris, voilà, je vais pas m'attarder. J'ai pris un petit Hang-On. Bon, bah, Hang-On, je pense que tout le monde connaît. C'est pas un jeu qui a bien présenté. Alors il était à 5 balles. Celui-ci, je le cherchais depuis un petit moment, le Double Hawk. Pareil, 5 balles. Alors celui-là, je l'ai jamais testé, moi. Mais je le cherchais parce que j'ai un pote qui est dessus en ce moment et qui m'a dit galérer à faire le 1cc. Du coup, j'avais envie de le tester, mais c'est toujours un jeu, tu vois, à 25 balles. Et là, il était à 5 balles, complet. Et le Pit Fighter, qui est une purge, quoi. Je crois, ouais. Ouais, ouais. Là, sur Super Nintendo et Mega Drive, il est. Je crois que DGGX en a parlé il y a pas longtemps et qui disait que cette version est moins pire. Ah ouais? Moi j'ai testé, je sais que les versions Mega Drive sont pourries, mais bon, c'est de la merde quand même. Enfin, je veux dire, tu vas t'amuser 5 minutes dessus, et puis après tu. C'est pas un bon jeu, qui était à 5 euros aussi, mais le jeu que je voulais vraiment, c'était le Psychic World, qui pour le coup est un très bon jeu d'action, action plateforme de la Master, mais c'est un jeu qui commence à avoir sa certaine petite cote. Là, il était à 75. Alors je sais plus, donc 75 plus 15 ça faisait 90 et je crois qu'il m'a laissé le lot à 80. Voilà, pour moi je pense que c'est quand même pas mal correct, sachant que voilà, j'en ai vu pas mal d'autres là-bas dans les 100, 110. Notamment un qu'on a mis à nous à acheter. Hein. Ouais, j'en ai revu un autre. Par la suite. Ouais, mais
mais ouais, celui de Mickey qui était en bon état, c'est dans une centaine d'euros. Mais typiquement, ça, c'est un jeu, on voit pas tous les jours. Hein. Moi, j'ai mis du temps à le trouver. Alors, c'est vrai, si on utilise eBay, c'est vrai qu'on va le trouver direct. Oui, voilà. Là, il y en avait trois, quoi, tu vois, par exemple. Voilà, là, il y en avait trois. Par exemple, des Ghouls and Ghosts, j'en ai vu au moins 20. Sur Master System, il y en avait partout. Après, à des prix. Ils étaient trop chers. Mais voilà. Voilà pour ce premier petit lot. Vas-y, je te laisse. Ouais. Je te laisse. Mon premier, c'était pas un lot. C'était en arrivant, je suis tombé sur un vendeur qui vendait la Solus de Sonic et Knuckles par Cyril Drevet. Je vais vous montrer, il y a quelques dessins. Voilà, il y a quelques dessins type BD. Et après, le reste, bah, c'est de la Solus en fait. Et c'est un livre vraiment dur, quoi. Ça, c'est sorti en quelle année la suite du jeu, sorti en 94. Dans la foulée du jeu. Quoi. C'est un jeu, si c'est un vrai livre qui est sorti en magasin en France, pour sortir un livre, on est obligé de l'envoyer à la BNF et on a un numéro. Et du coup, il doit y avoir à cet endroit-là, il doit y avoir la date. Mais je... Ah oui, dépôt les gars, 94, novembre. 94, donc tu étais dedans. Novembre 94. Et le jeu, il est sorti en Je pense dans la foulée, 94-95 avec. Ouais, ça doit être 94. Ouais, dans la foulée, en fait, oui. Avec Sonic 3, ouais, ils sont sortis assez peu. Avec assez peu de. Vas-y, je te laisse. Ça, c'était un truc que t'as payé cher ou... Ah, pardon, ouais, c'était 25 euros et le vendeur n'a rien voulu entendre pour baisser le prix. Après, c'était le début. Hein. C'était au tout début, ouais, c'était au tout début. Samedi, ouais. Et par contre, le lendemain, donc le dimanche, on a un ami à nous qui l'a acheté sur un autre stand complètement. Ah, il y avait un deuxième. Ouais. Et j'ai demandé combien il avait payé 25 euros aussi. Ah ouais, donc comme quoi, voilà. Mais ceci dit, je connaissais même pas. Ouais, moi je l'avais déjà vu sur internet, mais je l'avais jamais vu en vrai. Ah ouais, je connaissais pas du tout. Voilà, donc c'est pas un livre que j'aurais été acheté à 100 balles ou je sais pas, oui, même non, si c'est un bogey. Oui, non, pas déconner quoi. 25, c'était le premier achat, je l'avais jamais vu en vrai. Ouais, tu t'es chauffé, c'est cool. C'est ça. Ça aurait été aujourd'hui, en fin de journée, je l'aurais pas pris. Ouais, une fois que t'as claqué le budget, c'est pas le genre de truc que tu prends quoi. C'est ça. Deuxième jeu, allez, j'en présente un juste tout seul. Un jeu méga CD, alors vous savez, moi j'achète peu de méga CD, je l'ai depuis l'époque. Mais voilà ce que je disais à Arnaud, moi, méga CD, j'ai peut-être 15 jeux et sur ces 20 dernières années, j'en ai acheté deux quoi. Mais le Solfice, il était sur ma liste. Alors je l'ai acheté pour le Solfice parce que le Cobra commande. À tester, mais bon, ça a l'air d'être un rail shooter. On a regardé un petit peu, mais avec des vidéos, ouais. Mais avec des vidéos, enfin, ça a l'air FMV, mais en FMV dessin animé, ça a pas l'air foufou. Hein. Ouais. Moi, ça m'a fait penser à des trucs que j'ai sur 3DO, alors je saurais pas te dire les noms, mais bon, par contre, le Solfice, un bon shoot'em up horizontal avec de bonnes musiques. Voilà, donc il me faisait envie, je l'ai jamais joué pour le coup, le Solfice. Donc, celui-là, je suis content de l'avoir pécho. Donc, ça, 30 euros, je pense que c'est son prix. Ouais, je sais plus. Clairement. Bah, en fait, Jérôme, il l'a acheté. Ouais. 30 euros. Ok. Et en fait, le mec, il en a reposé un. Je l'ai acheté 30 euros. On est repassé 2 minutes après, il en a reposé un. 20 euros, il n'y avait pas de notice. Ah ouais, donc le mec, il en avait 3 sur le même stand, quoi. Donc en plus, c'est ça, c'est qu'il y en avait. Il faut voir qu'il y avait des grosses pièces. Mais les mecs avaient des fois des grosses pièces en double qui reposaient. Parce qu'ils avaient des caisses derrière Akiba, je pense notamment. Il avait des gros jeux, ils avaient en double, en triple. Les Hollandais aussi, c'était les Hollandais, voilà. Choses qui sortent le dimanche, ils n'ont pas le samedi forcément en fonction de la place. Ou si tu leur achetais un gros jeu, ils allaient en ressortir un deuxième qu'ils allaient mettre. Enfin, donc voilà, pour ce petit achat, méga CD. Ensuite, moi j'ai fait un lot avec un ami. Donc lui a pris un jeu qui coûtait un poil plus cher que les miens. Donc moi j'ai pris Fire Shark, qui est un shoot'em up que je cherchais depuis un petit moment. Il s'appelle comment en Jap celui-là? Same, same, same. Il a un ouais. Et The Lawnmower Man, qui est un jeu issu d'un film des années 90. Et c'est un run and gun avec des phases, si je me trompe pas, c'est un run and gun avec des phases en 3D sur les... Ah d'accord. Voilà. Donc le Fire Shark était affiché à 115, ce qui est quand même assez cher, mais ça correspondait aux ventes réussies pour le coup. Je vérifie, les ventes réussies étaient entre 90 et 130, donc ouais, le mec était vraiment à la moyenne. Et le Lawnmower Man était à 40 euros. Alors ça, je vous avoue, comme c'est un jeu dont j'avais entendu parler, qui je savais qu'il était pas trop mal sur Mega Drive, il est aussi sur Super Nintendo, mais je crois qu'il a... Moi je connaissais, moi différents. Je vais pas faire... Lui j'ai pas vérifié si c'était une bonne ou une mauvaise affaire. Et donc en fait, sur ces deux-là, donc un ami, il nous a fait 25 euros de réduction, mais avec le lot d'un ami, donc moi j'ai eu 10 euros de réduction. Donc en fait, ça m'a fait
145 au lieu de 155. Donc on va pas avoir la réduction. Donc si moi je vais dire que j'ai payé Lawnmowerman 40 et 105 le Fire Shark qui est son prix sur eBay en fait. Ouais, voilà, en vente réussie, vraiment. Celui-là je connaissais même pas. Bah test, après ça se trouve c'est 40 balles hein, j'ai Mega Drive, j'ai envie de dire maintenant ça devient monnaie courante. Allez, je vais passer à ça. Alors ça c'était sur le stand d'Akiba qui normalement fait quasiment que de la Super Famicom. Et je lui ai dit tiens t'as pas quelques jeux Mega Drive Jap. Et il me dit j'ai quelques trucs moi qui m'intéressaient pas. Il avait 4-5 jeux juste. Et il me dit par contre j'ai le Gay Lancer. Alors c'est pas un original. C'est un original mais c'est la réédition de Columbus Circle. Donc il est sorti, on a regardé tout à l'heure, c'est 2019. Mais c'est une édition qui a pris également en cote parce qu'elle est quand même plutôt propre. Alors, je sais pas, tu l'avais pas sorti du coup. Si, pardon. Allez, voilà. Mais voilà, donc, l'original, voilà. Et cette édition, voilà, et le dos, c'est marrant parce que voilà, le dos ils ont mis la même image pour le coup. Hein. Et la tranche, par contre, là, ils ont pas mis le logo, t'as vu. Ils ont pas les droits. Bah oui, voilà. Ils ont les droits du point de vue développement du jeu. Voilà, on n'est pas dans un gros pro. Ouais. Voilà. Et en fait, il m'a dit, écoute, je l'ai payé 40. Moi, je vais certainement peut-être l'acheter en original. Donc, je te le refais 40 si ça t'intéresse. Donc, voilà, je pense que c'est un super prix. Pour le coup, là, c'est. C'est le prix qu'il l'a payé. C'est quand même un vendeur. Ouais. Qui te dit, vu que lui il vend de la Super Famicom, on avait déjà sympathisé, j'avais pris des trucs l'an dernier, et il m'a dit, vas-y, Techniquement, je pense que c'est pas un pro, hein. C'est vraiment quelqu'un qui achète de la Famicom en énorme lot. Je sais pas si c'est un pro, parce qu'il est très souvent au Japon. Oui, mais il en vend beaucoup, quoi, c'est ça que je veux dire. Mais en fait, c'est parce qu'il garde les meilleurs états. Il upgrade beaucoup sa collection. Donc il peut acheter 10 fois le même jeu pour le revendre 9 fois, prendre le meilleur de chaque élément. Je ne sais pas si c'est un pro ou pas, Non, il ne semble pas qu'il soit pro. En tout cas, c'est un très très gros collectionneur Super Famicom et qui du coup revend ses doubles parce qu'il améliore de longue ses états. Je crois qu'il l'a le full set, hein. Il me semble qu'il l'a aussi. Ouais. Mais en plus, full set qui doit être quasi mint. Ouais, mais pour lui, parce que tu sais, des fois tu lui achètes un truc, il te dira, mais tu vois, il est pas super état donc il est un peu moins cher. En fait, tu regardes le truc, c'est. Ouais, mais je pense qu'il voit ce que nous on voit pas et que les Japonais voient. Des fois, des jeux mint, il y a marqué B et pas A. C'est pour un petit détail. En tout cas, très sympa de sa part de me l'avoir fait à 40 et donc je suis super content de pouvoir rentrer parce que l'original c'est combien maintenant On en a vu aujourd'hui. Le Lancer ? Ah, je l'ai pas vu moi, tu vois. Il y en avait un au même vendeur dont on parlait tout à l'heure qui avait aussi le Eliminate Down et tout. Ah oui, si, si. Il l'avait à 525, je crois. Ah oui, si, il l'avait. Je sais pas du tout si c'est bien ou pas bien. Non, mais moi je pense que c'est ça, dans les 500, je pense. Ouais, 400, cher. Pardon. Non, j'allais dire, du coup, là, moi, 500, je les mettrai pas pour ce jeu. Ensuite, petit lot suivant, ce sont nos amis les Hollandais, dont on a déjà parlé, hein, ceux qui avaient le fameux M82 à 12 000 euros. Mmh. Ils ont toujours un gros stand. Ils ont toujours un gros stand avec des pièces dont ils ne veulent pas vendre. Ils ont même des enseignes, des PLV, des machins. Mais ils sont sympas, quand même. Ils sont sympas. Ils ont un gros stand, alors ils ont des pièces d'appel, on va dire. Et là, cette année, il avait quelque chose qu'il n'avait pas les autres années, parce que souvent il y a des choses qui reviennent, c'est qu'en fait le vendeur qui était un collectionneur vendait sa collecte Mega Drive. Et il avait, alors il nous a dit qu'il avait le full set, je pense pas, il faut voir s'il avait vraiment les jeux de basket hors de prix et tout ça. Et qu'il avait fait du tri, alors pourtant il avait quand même des bons jeux dans son tri, donc, et qu'il revendait 300 jeux sur les 500 et quelques qu'il avait, où il devait avoir le quasi full set. Et donc on était plusieurs à lui prendre des trucs. Moi j'ai commencé, en fait j'aurais pas pris s'il en aurait pris un que je vais vous montrer après. J'ai commencé avec le dernier shoot qui me manque, puisque comme j'ai trouvé le Fire Shark, moi mon objectif pour cette Pixel Day c'était de trouver Fire Shark et Twin Hawk. Donc, c'était vraiment ton. Ouais. Ça c'était dans tes targets quoi. Fire Shark et Twin Hawk. D'accord. Celui-là il s'appelle comment, Jap? Aucune idée. Ouais, je sais pas, parce que moi, je sais que Fire Shark c'est same, same, same. Je te pose la question parce que c'est vrai que je les cherche plus en Jap qu'en PAL. Donc le Twin Hawk. Un jeu qui était que je cherchais depuis longtemps mais que j'ai du mal à trouver en état nickel avec la notice pas américaine mais avec le français dessus. C'est le Universal Soldier, c'est un run and gun. Mais ce qu'il faut savoir sur Universal Soldier, c'est que c'est le Turrican 2 qui sont portés sur Mega Drive et ensuite ils ont changé les sprites pour le jaune contre le Gundam, etc. pour faire un jeu Universal Soldier. Mais c'est Turrican 2 en fait.
Et donc en fait sur Mega Drive c'est peu connu parce que les gens connaissent le Mega Turrican. En gros c'est un reskin quoi. Ouais c'est un reskin exactement, c'est ça. Il y a les Turrican 1, 2 et 3, puisque le 1 est sorti pareil en boîte carton comme ça chez Accolade. Le 2 c'est Universal Soldier et le 3 c'est Mega Turrican. Mais toi moi ça je le savais pas. Je suis pas un gros un pro de la 16-bit, tu vois moi ça tu me l'as appris quand tu l'as pris, tu vois, je le savais pas. Et le dernier c'est Génération Lost. Alors pour le coup, là, il me semble. C'est un jeu d'action action plateforme et il me semble avoir vu une vidéo de Metal Jesus en anglais qui disait qu'il était bien. Après, je t'avoue que j'ai fait un lot et que alors faut que je fasse la somme. J'ai fait donc du coup le lot affiché, ça faisait ces trois jeux, ça faisait 190 euros et je l'ai eu à 170. Et le vendeur a accepté. On se connaît de vue en fait. Il faut lui parler en anglais. Hein, c'est un ouais. Et en fait, chaque année, je lui prends des trucs. Voilà, c'est ça. C'est quand chaque année, tu reviens et tu prends des trucs au même mec. Il sait que c'est moi. Et après, c'était assez rigolo parce qu'il savait pas du tout que je faisais des jeux Mega Drive. Et à la fin, le dimanche, il est venu. Et il a acheté TCK sur le stand de Brock Studio. Ah, cool. Et du coup, j'y ai dit que, en fait, ça fait 3 ans que le mec, il me dépouille ma thune. Et que pour une fois, on va récupérer un petit bout. Et du coup, ça l'a fait rigoler. Il m'a demandé que je lui dédicace. Donc, j'ai dédicacé. Ça, c'était chouette, ouais. Voilà, donc c'était un collectionneur, ça c'est assez rare, hein. Les gens en général demandent des dédicacés sur la boîte, pas sur l'insert, sur le plastique. Des fois des gens demandent sur l'insert, des fois des gens sur la notice, et la plupart des gens sur le plastique, parce que du coup ça abîme pas les éléments du jeu. Moi vous me l'avez dédicacé sur le plastique. Voilà, mais la plupart des gens en fait. Et lui, et même le plastique il voulait pas, ça a l'air d'un autre... Il voulait en fait une dédicace sur un papier blanc, qui après il glisse dans la jaquette, entre le plastique et la jaquette, à pouvoir voir Vous avez la signature en papier, mais ça dénature rien du tout officiel. Et pourtant, il a quand même déblisté pour pouvoir glisser. Bon, ça c'est... Voilà. Après, chacun son... Mais mais après, c'est hollandais, ils ont du beau matos, généralement. Je vais passer un petit lot Master System. Alors là, c'est vraiment parce que je vous en ai parlé dans une vidéo précédente, mais je pense que je vais essayer de me rapprocher tranquillement du full set. Voilà. Mais voilà, à mon rythme. À la trouvaille et à la bonne affaire. Même. Donc j'ai pris le. J'avais rentré il y a pas longtemps le Retour vers le futur 2, qui est vraiment pas un jeu top. Et j'ai pris le 3. Voilà, en complet, il était à 30 euros. Je crois pas que ce soit une super affaire. Honnêtement, je sais pas. Il était complet, il était propre. Je dirais que c'est plus ou moins son prix. Et là, pour le coup, c'est un lot que j'ai pas réussi à négocier. Parce que c'est pareil, c'était le samedi à l'ouverture. Et je crois que je les ai pris direct. Il m'a dit non, là, normal en même temps. Ouais, ouais. C'est le début, il a pas voulu. Et le deuxième que j'ai pris, c'est le James Bond 2 Robocode. Mais du coup, en version Kix. Alors ça, toi, tu me disais que c'était les Kix. Alors moi, je savais que ça existait, mais je savais pas exactement. C'est un éditeur. Il y a beaucoup de jeux Kix en Angleterre. Même sur Super Nintendo, par exemple. Moi je connais parce que sur Super Nintendo il y a le Hulk qui est pareil un jeu un peu bidon de US Gold et ils ont fait une édition Kix avec un fourreau en fait il y a la boîte normale et elle vient dans un fourreau enfin et ça c'est assez recherché des collectionneurs Super Nintendo mais c'est un éditeur qui édite ou réédite pas mal de jeux, c'est un peu comme des rééditions ils doivent acheter la licence acheter les licences sur Master System on a aussi les classiques il y en a 11 de mémoire et on a des Kix j'en avais pas. Moi, ça me dérange pas d'avoir ce type de version. Autant du Platinum sur PS1, tu vois, ça ne verra pas dans ma collection. Mais du Kix ou même du classique en Master System, ça me dérange pas. Et je trouve même ça exotique, quoi. Je trouve ça cool. Donc voilà, et là, ça faisait 60 les deux et ils sont complets. Et là, le mec a pas voulu négocier, mais bon, je les vois pas tous les jours. Et je pense que sur le net, c'est à peu près ses prix. Mais avec les frais de port, donc je me suis laissé tenter. Alors ça, c'est une rentrée de la Pixel D. Parce que je l'ai eu à la Pixel D, mais je l'avais commandé et payé avant, enfin dès que ça a été annoncé sur internet. C'est un dessin de Mr. Nuts déguisé en Mega Man X. Et en fait, ceux qui ont été à la Pixel D se sont dit « Ah, moi aussi je l'ai », sauf qu'en fait, normalement, si j'ai bien compris, mais je suis peut-être complètement à côté de la plaque, je sais pas. Ce qui était en vente à la Pixel D, c'était des lithographies qu'il avait imprimées et signées à la main. Et moi, ça se verra bien par le derrière, c'est vraiment un dessin au feutre en fait. C'est un dessin. Il travaille beaucoup avec les marqueurs à alcool, Philippe Dessoli, l'artiste. Et donc c'est un dessin au feutre à alcool. Donc c'était, vu que j'ai un ami qui a acheté la lithographie avec le même dessin, le mien était à 36 euros. Un dessin original de cette taille-là, hein, c'est du A3. Je trouve ça très correct. Hein, c'est beau. C'est beau. Vu qu'il l'a fait au feutre, c'est vraiment voilà. Et ça rend pas pareil que celui que mon ami a acheté, qui elle était un peu moins cher, qui était à 25 euros de mémoire. Et moi, je suis assez content parce que je suis gros fan de Mr. Nuts et surtout, je suis gros fan de Megaman.
sur oui. Mega Man X. Et donc, le mélange des deux, ça, c'est parfait. Et, ben, et mon, et mon pote qui a acheté l'autre version, c'est exactement pareil. Il aime bien Mr. Nuts, sans plus, mais il aime bien. Et par contre, Mega Man X, c'est son jeu préféré, hein, mon pote Jack, je t'ai présenté. Hein. Et donc, du coup, on était tous les deux super contents de. Il faut dire qu'elle est vraiment super. Ouais, ouais, c'est de la remontrer. On peut la remontrer, ouais. Elle est vraiment. Elle est superbe. Ouais, c'est ça. Honnêtement. Elle est vraiment jolie. C'est parti des. J'avais déjà pris le. Il avait fait. Je pense qu'il fait une série cosplay Mr. Nuts. Et il avait déjà fait. Goldorak. Mr. Nuts, c'est l'idée Arctarus de Goldorak. Mais je l'ai affiché là au plafond. Là-haut. Voilà. Et. Et donc, il continue la série des cosplays avec X. Peut-être qu'il y en aura d'autres, je sais pas. Tu veux présenter l'autre. L'autre chose en carton que t'as ouais, pris en même temps faire, ouais, ça fait la. Comme ça, ça alors, c'est un lot, c'est un même vendeur. Alors, hop. Peut-être plus le négocier, mais bon, je cours pas forcément après les bonnes affaires. Donc, j'ai vu un jeu que je cherchais depuis longtemps. C'est le Roi Lion sur Game Boy Color. Donc, c'est une version exclusive. Je vais la présenter. Je me décaler parce que c'est gros. Ouais. C'est une version exclusive, le Roi Lion sur Game Boy Color. J'avais vu une vidéo qui montrait les jeux Roi Lion. Donc il y avait celui que tout le monde connaît, hein, Mega Drive Super Nintendo. La version Master System qui est différente. Et la... Ah, elle est différente ? Ouais, ouais, j'ai pas fait un jeu à part. La version Master System, c'est vraiment un jeu à part. Tu vois, tu m'apprends quelque chose, je l'ai pas encore fait. Et il y avait la version Game Boy Advance qui paraît-il est très bien. Et la version Game Boy Color, c'est la dernière qui me manquait. Et j'ai pu la récupérer, donc elle était un peu chère, elle était à 50€. Ah, quand même. Donc, alors je cherchais autre chose sur le stand du vendeur pour tenter une négociation. Ouais. Parce que moi, c'est plus un jeu que je voyais à 20-25€. Ouais. Quoi. Mais je le voyais jamais. Ah, ou alors vraiment éclaté. Quoi. Ouais. C'est en général ces jeux qui vont avec pour des enfants. Et tant pis, bah, j'allais me résoudre à le payer. Et derrière le vendeur, même pas sur le stand, je vois quoi ? Je vois une assez grosse PLV Sonic, en fait. Ouais, ça, c'est bon. Voilà. Et du coup, j'ai demandé le prix de la PLV Sonic. Donc, ça va peut-être choquer des gens qui sont pas habitués à la PLV. Ouais, alors la PLV, ça. Mais la plupart des collectionneurs de PLV que j'ai vus, ou de collectionneurs qui connaissent la PLV, hein, notre ami Michael qui était avec nous, ou Marc-Antoine, hein, qu'on a vu plusieurs fois chez Wawa, m'a dit que le prix était. Bah, c'était vraiment un excellent prix, ouais, en fait, par rapport à ce que c'est, ce qu'on voit jamais, en fait. Faut s'accrocher pour le trouver. C'est ça, on en a pas parlé, on a parlé des jeux. On voit aussi de très belles PLV. Ah ouais, il y a beaucoup de PLV et d'enseignes lumineuses, type GameCube, voilà. Atari, plein. Bon, c'est oui. Voilà. C'est très cher. C'est très cher. Les PLV, c'est très cher. Donc la PLV était à 200, ce qui est vraiment une bonne affaire. Ce qui fait que j'ai même pas voulu négocier en prenant les deux. En fait, je me suis dit, bon, le Roi Lion est vraiment surpayé, mais la PLV. Est sous-payé, je pense. Enfin, après, c'est toujours pareil, comme il n'y en a jamais en vente, ça. Voilà. Ça vaut le prix que. Ça vaut le prix que le mec est prêt à mettre. Exactement, exactement. Et l'an dernier, t'étais rentré avec. Bon, là, on peut pas la montrer parce qu'elle est accrochée, mais t'étais rentré un avec. Un autre Sonic plus petit. Un autre Sonic plus petit. Et que j'avais payé plus cher. Tu l'avais payé combien l'autre 400. Ouais, c'était 400. Ouais. Bah, après, qui est en meilleur état par contre. Et qui était recto verso aussi. Alors que celle-là, elle est recto avec l'arrière. Bon. Et celle-ci était très très bon état quand même. Ouais. Mais bon, oui, la PLV, c'est un monde à part. Ouais. C'est un monde à part. C'est ça. Les plus connus là des Sonic, c'est les encales lumineuses. Ouais. Il y en avait aussi. Mais voilà, il y en avait un, mais il était trop cher. C'est pareil, c'est plusieurs centaines d'euros. Il était clairement trop cher. Hein. Après, c'était un Belge qui le vendait. Et donc, il a peut-être pas accès au Bon Coin en France. Mais en France, il y en a plusieurs à 500€ sur le Bon Coin. Il y en a au moins 3 ou 4. Hein, si vous faites la recherche aujourd'hui. Sonic. Hein. Et lui, il le vendait 1100. Ou 1000, non, il avait baissé à 1000. Il m'avait dit 1100, il avait baissé à 1000. Mais c'était deux fois trop cher. Ouais, mais c'était deux fois trop cher. Moi, je pense qu'aussi, on en parlait avec ma Max, hein. Je pense qu'à la Pixel, il y en a. Ils ont des grosses pièces, ils n'ont pas spécialement envie de s'en séparer. Ouais, je pense. Et ils disent, allez, je le mets à 1000. En gros, peut-être ils ont besoin de thunes ou j'en sais rien. Et si ça part à 1000, pas de regret. Pas de regret. Ouais, et si ça part pas, je la ramène chez moi. Après, et il y en a, il vendait son. C'est pas ma mentalité. Non, mais il y en a un, il vendait son Ninja. Tu vois, le vendeur qui a pas envie de vendre, il vendait son Ninja Warrior. En Super Famicom. Super Famicom, et je le regarde et tout, mais j'avais vu qu'il y en avait un chez Akiba. Et je le regarde et il était plus cher. Et j'ai dit, ah, tu vends des. Parce qu'il avait un Conker aussi que je regardais à Bad Fair Day. Ouais. Et il me dit, ouais, mais. Je sais pas, j'ai dit, ah, mais j'en ai vu un deuxième. Je dis, putain, il y a des beaux jeux. Il me dit, ouais. Bon, moi je l'ai mis un peu cher parce que je veux pas le vendre. Si tu veux le prendre, va le prendre chez Akiba. Le mec, en fait, ils ont pas envie de vendre, quoi. Il me dit de mis un peu cher parce qu'en fait ça me fait mal de me séparer, c'est un de mes jeux préférés. Peut-être pour attirer les gens sur le stand aussi, je sais pas. Ouais, je pense que c'est des produits d'appel, c'est ce qu'on disait, quoi. Ouais. Ok, on va passer à ce lot-là. Alors c'est peut-être le lot que j'ai payé le plus cher, je sais plus. Même là j'ai enlevé les prix, alors je me rappelle plus exactement.
Alors, j'ai pris un shoot qui était encore abordable. Il y a pas abordable, c'est abordable, mais il se trouvait quand même à pas si cher. Même en pâle, il était pas cher. Ouais. C'est Felios. Alors là, tout ce qu'on vous a présenté, c'est complet. Hein. On a acheté, ouais. Voilà, on a acheté que du complet. Hein. On va pas vous ouvrir les boîtes. Hein. Le Felios, je sais plus combien je l'ai payé. J'ai enlevé les prix. Mais je crois bien 80, non? Il était affiché 80, je crois. Ah, je sais plus. Celui-là, il était à... Et j'ai pris avec, en lot, le Return of Double Dragon sur Super Famicom, qui est un beat'em all assez technique. Ouais, et c'est la meilleure version, la version. Et, ouais. Oui, parce qu'il n'y a pas de censure, alors je sais plus, il y avait quoi. Cosy me l'a dit en plus, mais... Il faut regarder la vidéo de Dimanche Kaiser, il le précise. Voilà. Visiblement, il est sorti après. Et ils ont eu le temps de le finir en fait. Ah voilà, c'est ça. C'est ça, la version US et la version PAL, ils ont pas fini. Il y a des trucs qu'ils ont pas fini. Exactement, voilà. Mais si vous voulez vraiment pour le coup une revue complète, Fawzi a fait un. Les différences. Les différences entre les versions. Sur Gang Pixel. Et c'est un beat'em all vraiment sympa, jouable à deux. Du coup, on a pu y jouer là-bas. Moi, c'est Mamax qui m'a incité, qui m'a dit allez, prends-le, il est chouette et tout. Et du coup, c'est vrai qu'on y a joué. Alors, la particularité qui m'a assez surprise. C'est que enfin moi la version de Double Dragon que je connais le mieux c'est la version Master System tu vois. Ouais. J'adore cette version, je l'ai connu gamin et celui-là il est vachement technique. Tu peux bloquer, tu peux faire des chops, si au bon moment tu chopes, après il bombarde, tu peux sauter sur les murs. Ouais. Tu sais, tu peux faire des rebonds et taper. Enfin, franchement, non, il est vraiment complet. Voilà, moi je l'ai testé rapidement, donc j'ai pas le gameplay en main, mais il a l'air très complet dans sa move list au final pour un beat quoi. C'est généralement c'est assez simple, c'est bam bam. Là il est vraiment assez complet je trouve. Et alors de mémoire, je pense que ça c'était 110 et ça devait être 80 ou 70, je sais plus. Donc ouais, je dirais 160 ou 160. Je pense que ça j'en ai eu pour 160 ou 170 les deux. Et ça c'était sur le centre des deux frangins. D'accord. Voilà, mais ouais, ça c'est vraiment, bah, pour moi c'est deux belles pièces et je suis très content d'avoir pu les récupérer. Alors pour le coup le Felia c'était sur ma wishlist, celui-là c'est plutôt un craquage. Je vais présenter deux jeux d'un coup, même si c'est pas le même vendeur, c'est un peu le même style de jeu. Enfin, c'est pas du tout le même style de jeu, mais c'est la même console, ouais, voilà. Le premier, c'est Excitebike en version ASD, avec l'encoche à l'arrière absolument pas arrachée. Ah ouais, j'ai pas vu. Ouais, voilà. Ah oui, voilà. Et le deuxième, c'est les pierres à feu, donc c'est pas un lot, hein, c'est deux vendeurs différents, c'est le même jour. Enfin, moi j'ai fait tous mes achats le samedi, parce que le dimanche j'avais plus d'argent. vraiment plus rien. Donc j'ai rien acheté aujourd'hui, en fait, parce qu'on tourne. Ouais, on tourne même après 8 heures de route. Là. Et donc du coup, ils étaient à 60 chacun, complet. Donc ça, pour le Excitebike, ça peut paraître un peu cher, parce que c'est pas un grand jeu. Mais en version ASD, premier distributeur... C'est moins commun, les ASD. C'est assez compliqué à trouver, voilà. Puis il est complet, voilà. Et le deuxième, c'est le pierre à feu. Donc si vous avez fait la Pixel D, vous avez vu que des pierres à feu, en version française, avec le français au dos de la boîte, enfin FRA, quoi. Il y en avait une bonne dizaine, ouais, hein, voilà, qui était listé entre 80 et entre 40 et 80 euros globalement, sachant qu'à 40 euros il y avait des écritures, des déchirures sur la boîte, etc. Là 60, donc les jeux j'ai payé 60 chacun, je crois que je l'ai déjà dit. Ouais. Il est, je qualifierais pas ça de mint, mais il est propre. Il a pas de, voilà, il a pas de défaut du tout. C'est du, moi si je devais donner une note, je dirais 16 sur 20. Non, il est propre, j'allais dire 8. Ouais. Sur 10, toi, tu dis. Ouais, ouais. Okay. Ouais, non, ouais, ok. Donc, je suis bien content parce que ça, c'est un jeu de Taito que j'avais bien envie de me faire. Quoi. Je sais qu'il existe une version Master System, mais je ne l'ai pas essayé. Ah ouais? Ah oui, il existe une version Master System, il existe une version Mega Drive, je ne sais pas du tout si c'est le même jeu. Il existe un 2 qui est sorti qu'en Suède, en Scandinavie. Ah ouais, d'accord. Et qui vaut une fortune. Et puis, il y a un 2. Ouais, ouais, c'est ça. Ça vaut, je crois, entre 500 et 1000 euros. Ah ouais, quand même. Alors que le 1, c'est. Là, ce que j'ai payé, c'est son prix, c'est pas une. Ouais. Et voilà. Allez, l'avant-dernier petit lot pour moi. Donc ça, c'est les premiers achats que j'ai fait. Là, pour le coup, c'est deux jeux de ma wishlist. Le Gunstar Heroes en version japonaise. Alors, il était affiché celui-ci à 110. Bon, j'ai réussi à le négo un peu. Gunstar en pâle maintenant, c'est un touchable. Mais de toute façon, moi, je suis 16 bits. Au final, je suis vachement plus sur du Japon. Je me rends compte que, de toute façon. Soit c'est même prix, soit c'est... parce que le Jap a monté un peu. Bon, le PAL a vraiment monté. En vrai, sur Mega Drive, le Jap a toujours été cher parce que c'est... techniquement, même si le PAL a beaucoup monté, le Jap est plus rare.
Voilà. Parce qu'elle a pas du tout donc, marché. Donc il y a des jeux, c'est un peu pareil. Et au final, je préfère prendre les versions japonaises. Ouais. Et bon, par contre, sur Super Famicom, c'est moins cher, clairement. Ouais, ouais, oui. Donc le Gunstar Heroes, bon, Run and Gun, je pense que j'ai pas vraiment besoin de le présenter. Tout le monde connaît Gunstar Heroes, je pense, maintenant, sur Mega Drive. Et le second, c'est Parodius. Alors celui-ci, de mémoire, il était à 70. Ouais, je crois que j'ai eu le lot pour 160 ou 180. Bon bah, Shoot Them Up, parodie de Gradius. Voilà. Un style un peu kawaii. Voilà, et donc, bah... Il y en a trois sur ce point. Ouais, Mamax a acheté les trois. Ah, ouais. Donc du coup, bah voilà, très bon petit Shoot Them Up. Qu'on a vu au moins en 6 ou 7 exemplaires. Là, c'est pareil. De la Super Famicom, même ceux qui veulent faire du Jap, déjà, on est en Belgique quand même, tu vois. Bah, ouais. Tu arrives à trouver des mecs qui avaient 2 ou 3 qui en avaient. Après, le Jap, c'est normal, il y a beaucoup de pros qui importent du Jap. Mais là, moi, j'ai été impressionné, c'est qu'il y a beaucoup d'US. Que ce soit de la. Oui, c'est vrai qu'il y a la Genesis aussi. De la Genesis, beaucoup d'US. Oui, parce que la Genesis, tu en vends moins quand même que. Est-ce que c'est pas les autres qui ont. Parce que j'ai vu leurs photos de retour de loin et ils ont pas pris un gargoyle? Ah, j'ai pas vu de gargoyle. Ouais, non. Mais il y a eu de la Genesis, il me semble. J'en suis même sûr, il y a eu. Il a pris de la Genesis. Ouais, il y avait beaucoup de Genesis et ça, pour le coup, on en voit pas souvent, honnêtement. Non, nous, en France, dans les magasins, on en voit pas souvent. C'est vrai. Sur eBay, t'en trouves quand même. Mais après, c'est vrai que dans la Genesis, tu trouves. De toute façon, en magasin, tu trouves très peu de Genesis, c'est vrai. Ensuite, moi, un autre lot qui a été fait le matin à l'ouverture. Donc c'est un lot de 3 jeux, donc il y avait un gros jeu qui m'a fait décider pour le lot, hein. Enfin un gros jeu, ça reste un titre, c'est pas une énorme rareté non plus, hein. C'est le Splatterhouse 2. Non mais c'est un gros classique. Qu'un grand classique et que je n'avais pas en fait, que j'avais jamais trouvé à prix correct. Le deuxième jeu c'est le Captain Planet, alors ça je vous avoue que comme il était pas cher et que j'ai fait un lot en fait, je l'ai pris. C'est un peu la technique pour faire baisser le prix des autres pièces aussi. Mais après, ça a l'air d'être de l'action plateforme. Après, moi, c'est toujours pareil. Si ça me plaît pas, je le refais partir au prix où je l'ai acheté. En fait, et voilà ce que j'ai fait. D'ailleurs, à une pixel précédente, j'avais pris le Robocop 3, qui est pas de Data East, qui est de. Je crois que c'est pas US Gold, je sais pas si vous doutez. Et en fait, j'ai détesté. Je l'ai fait partir au prix que je l'avais acheté. C'est ça. Et le dernier, c'est Red Zone. Red Zone, c'est un jeu, j'en ai parlé plusieurs fois, c'est le jeu qui a la vidéo en intro, en noir et rouge. D'accord. Voilà. Et qui a quelques effets sympas, notamment un faux mode 7 au début en hélicoptère et des phases dans un labyrinthe un type Run&Gun où les murs sont comme s'ils étaient en 3D, mais je sais pas comment ils ont fait. Ouais. Faudrait vraiment que je l'étudie de plus près. Essayer de voir comment reproduire. Ouais. Là n'est pas le sujet de la vidéo. Et donc ils étaient affichés à 30 et 80. Bon, il est pas parfait, hein. 80, mais c'était quand même le moins. Il est complet. Ouais, il est complet boîte notice. C'est quand même le moins cher que j'ai vu de cette Pixel D. La plupart des stands l'avaient à 120. Il commence à taper quand même maintenant. Donc, du coup, je crois que j'ai eu le lot à 100. Oui, c'est ça, j'ai eu le lot à 120 au lieu de 140. Ouais, donc ça va pour 3 jeux avec le Splatterhouse 2 dedans. Ouais, c'est plutôt cool. C'est ça. Notamment le Red Zone c'est un jeu pour lequel j'étais curieux. Très curieux. T'as un dernier lot et moi j'en ai deux. Ouais, moi j'ai un dernier lot. C'est pas vraiment un lot, mais. Il faut savoir qu'aussi, à la Pixel D, j'ai vraiment les boules parce que là, je m'étais fait chier à me préparer une liste de toutes les notices manquantes de Sega. Il y a énormément de. Enfin, les autres années, cette année un peu moins, il y a énormément de cartons de notices seules. Ouais. Voilà. Et il y en avait encore beaucoup, mais pas trop de Sega. Ouais. L'an dernier, j'avais vu des cartons entiers de Master System. Enfin, pas entiers de Master System, mais pas mal de notices Master System et tout. Je m'étais dit putain, surtout de la NES et de la Game Boy. Beaucoup de Nintendo. Ouais. Je trouvais même des boîtes. Ouais, il y avait un vendeur Il avait, je sais pas, peut-être une vingtaine de boîtes seules. Ouais, mises à plat. Et puis pas des merdes, tu vois. Du DuckTales 2, il y avait, je crois. Il y avait DuckTales 2, il y avait Zelda 2. Ouais, donc il y avait des. Pour un mec qui a, je sais pas, la cartouche et la notice, tu vois, c'est quand même. Ouais, c'était vraiment des trucs type. Vraiment des classiques, mais des bons classiques type Gradius. Et ça avait l'air d'être plutôt correct au niveau des prix. Ouais, c'est ça. Je sais pas, moi ça me paraissait cohérent. J'ai failli acheter celle de Zelda 2 parce que je l'ai en loose. Globalement entre 20 et 50 euros la boîte. C'est ça. Et elles n'étaient pas dépouillées. Pour des titres, elles étaient en bon état. Voilà, elles étaient mises à plat, mais c'était pas du mint, mais c'était du ok. Et pour des titres qui peuvent valoir jusqu'à 150. Zelda 2, c'était pas la version avec le double saut, mais ça vaut au moins 150 euros complet. Sachant que les notices sur NES, ça se retrouve. Ouais. Les cartouches en loose, on voit que ça, même si. Maintenant, Zelda, ça commence à monter. Voilà. Mais c'est clairement la boîte le plus dur à trouver. Ouais, voilà. Moi, Zelda 2, j'ai clairement hésité. Je crois qu'elle était à 50.
Ça fait cher pour du carton, mais... Ouais, mais moi j'ai déjà le jeu. J'ai déjà le jeu, j'ai hésité. Bon, ce que je veux dire, c'est clairement. Et donc du coup, j'ai pris une notice, mais alors là c'est vraiment de mémoire, parce que moi j'ai fait une liste des Sega, et évidemment, je sais qu'il me manque une ou deux notices NES, et je savais plus si j'avais celle de Power Blade. Donc gros doute, je l'ai pris à 3€. Voilà. T'as pas pris un gros risque. Pas de gros risque. Et Karim m'a dit, putain, j'ai le jeu, j'ai pas la notice. Donc si jamais toi il s'avère que t'avais déjà la notice, bah en fait je lui filerai la notice quoi. Et moi je l'ai pris au cas où. Là, le prochain, c'est peut-être en fait finalement ma seule vraie bonne affaire de cette Pixel D. C'était au détour d'un stand, en fait, j'étais parti chercher des cadeaux pour mon fils. Donc ça fait pas partie des choses que je présente, je les ai sorties. C'est cadeau pour les enfants, bon, c'est des achats Pixel D, mais voilà, des petits goodies, on va dire. Des petits goodies, des peluches, des machins, des trucs. Et donc, mon fils voulait une figurine de Toad, et au détour d'un stand, un pro, en plus un Game Cash, je vois le Roi de Rage 64. Donc, si vous y avez jamais joué, il est vraiment fun, ce Roi de Rage 64. On y a joué avec Yvan Kayser, j'ai jamais essayé. Et en fait, Yvan Kayser m'a dit, il avait pris même. Alors, il était à 80€, j'ai pas négocié, j'ai pris à 80€. Et il m'a dit, par contre, il y a un défaut avec ce jeu, c'est que la version française, tu la verras jamais, elle est introuvable. Elle est pas plus chère, mais elle est introuvable. Et là, je le prends, en plus, surtout que ça venait du Game Cash de Mons, donc c'est la Belgique, tout peut arriver en termes de distribution de langue, plus que chez nous. C'était la version française, complètement française au dos de la boîte. Donc, gros, le tout à 80€, voilà. Et puis sur le Bon Coin, il y en avait un qui était dans cet ordre de prix, sur le Bon Coin, sur Vinted justement, parce qu'on en parlait, je le suivais. Je sais pas s'il y est toujours, il y en avait un qui était à cet ordre de prix là, mais il avait pas la notice, et je n'arrivais pas à trouver une notice FR, bon du coup, j'avais laissé tomber, puis là je l'ai pris là, donc j'étais bien content. C'est cool, ouais, puis j'étais bien content, et série, quoi. Je voulais présenter en lot, parce que c'est pas quelque chose de très très intéressant. J'ai pris... Ah oui, tu t'es servi, j'avais pas vu ça. Un lot de... J'ai pris 50 en fait pour différents supports, NES, Game Boy et Super NES. Ah ouais, tu t'es... De Crystal Box parce que j'en manque. T'as pas pris de la Saturne ? Et surtout... T'en ai parlé en plus. Et ils étaient... Ouais, mais moi, j'ai pas forcément envie de les protéger. Puis il y en avait pas, je crois, chez Zonga. Ouais. Et surtout, c'était... Alors, c'est pas un bon prix, hein, ça reste que du... Enfin, c'est pas un bon prix. C'est pas un mauvais prix. C'est un peu au-dessus de ce qu'on pouvait trouver il y a quelques années si on s'arrangeait bien et qu'on commandait chez les bons vendeurs. C'était 9€ les 10 boîtes, donc ça fait 90 centimes le boîtier. Franchement, je le vois de plus en plus de gens qui vendent 2€, 2,50€, 3€. Mon magasin indé, je me fais défoncer. Ouais, moi dans mon magasin indé, donc celui auquel on a été, qui pourtant propose des bons prix sur le rétro habituellement, mais là c'est pas du rétro, ils les vendent 2€ la boîte. Quoi. Donc là c'est... Il est quand on a besoin de 200 boîtes, ça fait moi, je commande sur les sites, type de box protecteur ou quoi. Mais bon, après, c'est des gros transports, on est beaucoup aussi. Voilà. Je pense qu'après, ils doivent se fournir sur les mêmes fournisseurs aussi. C'était l'ami Sofiane Ibissa, moi, je le connais depuis des années sur Facebook. J'ai déjà acheté plein de trucs. Et puis, il est toujours sympa. Ouais, et puis, du coup, voilà, chaque année, je reprends des cristals. Et donc là, j'ai pris ces cristals-là. Pour l'année jusqu'à la prochaine Pixel. Voilà, c'est ça. Et ben moi, le dernier jeu, alors là pour le coup, je ne l'ai pas acheté là-bas, mais je vous le présente parce que je l'ai récupéré d'un pote de Belgique qui me l'a ramené. C'est un jeu qu'on avait acheté au Japon. Il s'agit de Enlander sur PS1. Donc voilà, c'est un shoot 'em up. Hein. Donc avec la spin. Alors celui-là, je sais plus. Même lui, il se rappelait plus combien je lui devais. Mais je crois que c'était une trentaine d'euros. Quoi. Alors, je sais même pas s'il existe en PAL, mais je crois. Il existe en US. En US ? En PAL, il existe pas ? Ouais, alors c'est en US. Parce que je sais qu'il y a une deuxième. Et c'est la même cover ? Non, c'est pas la même cover en US. Il me semble que. Mais voilà, il est plus cher, je pense. Ouais, il est cher en US. Ouais, voilà, c'est ça. Et là, voilà, une trentaine d'euros, et c'est un très bon shoot 'em up. Ouais, de Squaresoft, bizarrement, c'est leur. Ouais. Enfin, non, c'est pas leur soir, ils en ont fait sur l'époque de la NES, des shoots, mais. Mais avec des mécaniques de RPG en plus, c'est. Bah, je l'ai pas encore fait, pour le coup, mais. Moi, j'ai pas testé non plus, mais c'est vraiment un jeu que je cherche. Ouais, ah ouais, toi aussi. Ouais. Mais en US du coup. Ouais. Quand tu veux vers les coups. Payer plus cher. Mais super jeu, en tout cas pour ceux qui connaissent pas, n'hésitez pas à aller voir. C'est un super jeu de la PS. Voilà pour moi. Et c'est à mon tour de présenter mon dernier lot. Alors mon dernier lot, c'est le craquage total en fait. C'est vraiment deux trucs que je cherchais les deux depuis longtemps. Le premier, donc c'était un vendeur. Pour moi, c'était un des plus beaux stands, mais. Il était quand même élevé en prix. Lequel ? Celui qui avait tous ses jeux, donc ceux qui étaient à la Pixel D, c'était dans le chapiteau. Oui, il avait tous ses jeux à l'entrée, dans des bacs en plastique.
Par contre, il était, c'était un collectionneur en fait qui dégageait sa collection en fait qui arrêtait. Lui avait vraiment du lourd. Et il a pas de site, il a jamais mis en vente en ligne. Et voilà, il sortait là ses jeux pour la première fois. C'était cher, mais il y avait quand même des trucs qu'on voit jamais. Ouais, il avait des Game & Watch promotionnels, donc faut se dire, il avait des, il avait des trucs extraordinaires. Il avait un Game & Watch promotionnel Zelda. Donc déjà le Game & Watch Zelda est compliqué à trouver et vaut cher. Les Game & Watch promotionnels non Zelda, genre les Dove, tu sais, ouais, les jeux de douche, les trucs comme ça, ça coûte mais jusqu'à des 1000 euros le Game & Watch. Enfin, c'est des très cher, il y en a moins de 10 connus, quoi. C'est des trucs qui étaient donnés aux représentants d'entreprises pour que, tu vois, genre Candia, il faisait un concours, tu gagnais un Game & Watch, c'était cela, mais il y en avait 10, il y en avait vraiment 10, quoi. Ouais, enfin, c'était des vrais raretés pour le coup. Ouais, ça, pour le coup, c'est vraiment des trucs. Et il avait en Zelda, bon, j'ai pas pris, hein, il avait le Game & Watch promotionnel Zelda, il avait un. Quelque chose que j'avais jamais vu, il avait déjà le Game & Watch Rain Shower. Donc Rain Shower, c'est un Game & Watch qui est assez rare, c'est un double écran. C'est le plus rare des doubles écrans avec Lifeboat, pour ceux qui connaissent un peu le Game & Watch. J21, donc c'est les versions françaises comme ASD que j'ai planté sur NES, donc avec en général les touches en français, mais c'est pas obligatoire, la notice française. Et sur la boîte, il y a marqué J21, c'était une société qui importait les Game & Watch officiellement en France. Donc déjà Rain Shower, c'est un des plus rares. Rain Shower J21, c'est le J21 le plus rare, je pense. Déjà Rain Shower J21, on est déjà au-dessus de 1000€ en prix normal, et en plus c'était un promotionnel. Donc c'était en boîte et neuf avec les piles et tout. Enfin, et là il était à plus de 3000€, il l'a pas vendu, hein. Les deux jours il l'a pas vendu, mais c'est très dur à vendre, je pense. C'est un gros marché quand même, c'est des gros budgets les Game & Watch, faut le savoir. Quoi. Il y en a peut-être que ça va les choquer, parce que c'est. Mais faut savoir que ça coûte quand même très cher les Game & Watch. Et donc voilà, donc moi j'ai été attiré par les jeux Game Boy, on va dire, et en Game Boy Advance il avait le Alien Hominid. Alien Hominid, pour ceux qui connaissent, c'est un jeu en fait qui a cartonné en flash, en jeu gratuit sur navigateur au début des jeux navigateurs. C'est marrant parce qu'on en a parlé avant d'y aller à la Pixel. Ouais, on en a parlé avant de aller à la Pixel D. Moi il était dans mes targets et je l'ai sur GameCube en fait, en US. Il est sorti aussi en PAL, en PS2 et en Xbox. PS2, ouais, c'est génial. Et en PAL, enfin en PAL, en européen, il est sorti sur Game Boy Advance et c'est extrêmement dur à trouver. C'est vraiment extrêmement dur à trouver. Il était à 300€, donc c'est cher, hein, c'est un des gros trucs que j'ai acheté. Et la deuxième chose, j'en parlais tout à l'heure, le J21, donc ça c'est pas du tout promotionnel, c'est le Game & Watch normal, mais chef. Donc déjà chef sur les gold screens, c'est pas celui qu'on voit tous les jours. Et en J21, non plus autant, les Fire, Octopus, tout ça on trouve en J21. Donc ils étaient affichés respectivement à 300€ et 450€, donc ça fait 750€. Il m'a descendu, alors il m'a dit tel jeu je te le descends à temps et tel jeu je te le descends à temps, mais ça m'a fait 680 les deux, et donc c'est là, à partir de cet achat là, que je n'avais plus rien en fait. Ouais, là, tu veux dire, et j'avais même dépassé en fait le budget que j'avais prévu, j'avais retiré une certaine somme d'argent, donc, de toute façon j'ai dit les prix que j'avais payé, donc je vais faire l'addition et vous saurez. Combien j'ai dépensé en tout, même vous serez mieux peut-être mieux que moi. Donc j'ai donné en fait les billets qui me restent et j'ai fait un PayPal pour la suite, donc j'ai dépensé plus que ce que j'avais prévu. Et donc c'est vraiment le contraire de l'an dernier où j'avais prévu un gros budget et j'avais rien trouvé. Et du coup cette année, comme j'avais été déçu, je m'étais dit je vais y aller pour être avec les potes, les copains, et je vais voir un petit budget. Ben, finalement j'ai dépensé tout ce que j'avais, enfin un petit budget, c'était quand même un budget. Mais le truc c'est que tu les as trouvés après cela. C'est que t'as d'abord acheté le reste. Ouais, c'est ça. Et c'est ça. Qu'après t'as fait merde. Sinon j'aurais jamais dépassé mon budget. Si tu avais vu ça en premier, t'aurais acheté ça. Et après le reste, t'aurais peut-être dit allez, je prends 2-3 trucs, mais. Je me serais arrêté. Plus cool. Ouais, je me serais arrêté. Là, le problème, c'est que t'as trouvé deux targets. Je me serais arrêté. Fin, je pense quoi, 700, enfin 680, je me serais arrêté dès le début. Quoi, ça calme, forcément. Mais voilà, bon, après, voilà, il était dans le chapiteau. Et donc pour ceux qui rentraient par l'entrée du chapiteau, c'était parmi les premiers stands qu'ils allaient voir. Mais pour nous qui sommes rentrés par la salle où on avait notre stand TCK, c'est le dernier. Donc en fait, et après c'était fini. Voilà. En tout cas, c'est le budget. Voilà, faut savoir quand même que si tu y vas, généralement tu vas avec un gros budget. Quoi. Ouais. Après, bon, c'est pas obligé. Moi, je te dis l'an dernier. L'an dernier, j'avais dépensé 600. Ouais, bah moi 500. Je crois que j'étais allé avec 600 et en fait, même pas tout dépensé. Moi j'avais dépensé comme toi avant d'apprendre la PLV avant de partir pour me dire bon allez, j'avais un gros budget, je l'ai pas dépensé, je vais prendre la PLV, mais à la base c'était pas prévu quoi. En jeu t'avais fait comme moi. Ouais, j'avais fait comme toi.
Et là, cette année, j'ai peut-être fait un peu plus. Je sais pas parce que, ouais, bah, entre les restos et tout, je sais pas exactement, mais pareil. Voilà, suffit de faire l'addition et c'est ça. Vous saurez, j'aime, parce que même moi, voilà, je sais pas exactement. Mais en tout cas, bien satisfait parce que mais voilà, c'est très content. Des trucs que je cherchais depuis un moment. Mm. Le Game & Watch Chef en J21, ça fait une paire de fois qu'il me glissait entre les mains. Et puis on n'en voit pas souvent. Quand même. Et le Alien Hominide, bah, c'est simple, en France, on le voit jamais. Moi, en boutique, je l'ai jamais vu. Que ce soit Marépu ou des trucs comme ça. À l'époque, je l'ai jamais vu. Tu sais que même les versions PS2. C'est un Metal Slug. Ouais, c'est vrai. Pas très commune. Ouais. Là, il était sur PS2. Ouais, je l'ai vu. Pas 300 balles, mais... Il était à 120. Ouais, il était blisté, il était 9 sous blister. Ah ok, ouais, voilà. Je sais pas, parce que déblister c'est quoi, 60 balles? J'ai aucune idée. Aucune idée, 60 balles, 50 balles, je sais pas. Mais tu le vois pas, c'est un jeu que tu vois très souvent, quoi. Pour moi, faire de la PS2 quand même... Je pense pas qu'il a dû bien marcher sur... T'imagines, t'achetais un jeu Flash, c'est pour ça qu'il fait tourner GTA Vice City. Ouais, c'est sûr, c'est moyen, quoi. Les gens, je pense pas qu'ils... Mais il a l'air cool quand même. Ouais, ouais. Le jeu pour autant, il a ouais, bah, c'est un Metal Slug like. Moi sur GameCube, j'ai pas encore pris le temps de le faire, ouais, mais du coup, je pense que je le ferai sur. Mais pas moi, mais c'est un jeu qui a l'air quand même sympa. Ouais. Quoi. Voilà, en tout cas, bah, je pense qu'on s'est bien fait plaisir. Mm. Et puis, bah, logiquement, pour le mot de la fin, l'année prochaine, je pense que. Moi, A priori, sans. On y va, après. S'il n'y a pas de soucis, voilà, c'est. La vie fera qu'il y a tel ou tel budget, mais. Voilà, puis voilà. Mais je veux dire, même si tu y vas avec un budget, enfin, moi, j'ai je pense des copains qui sont allés avec un budget de 100 euros. Ils ont trouvé des trucs. Mmh. Ouais. Si tu décides de bah, si tu dis j'ai pas trop de budget mais j'ai quand même envie d'y aller, ouais. Tu fais les bacs de, après, de peut-être pas... PS2. Après, voilà, après bon, chacun va avoir sa propre logique. Après, moi c'est mon avis perso. Je trouve c'est presque dommage de mettre plus d'argent en essence qu'en jeu. Ah, parce que nous on vient de loin. En jeu. Il y en a, ils habitent à 2 heures, tu vois. Ouais, oui, non, mais je suis d'accord. Si t'habites, c'est vrai que. Tu vois, si t'habites après, dans le nord. Oui, mais après, dès que les gens vont prendre l'avion, il y en a quand même beaucoup. Ah oui, voilà. Après, s'ils viennent en avion, c'est qu'ils sont de loin. Voilà. Non, mais tous ceux qui viennent en avion et en voiture, généralement, ils vont prendre un gros budget. Tu fais pas 10 heures de bagnole pour dépenser 100 euros là-bas, quoi. Ouais, c'est ça que je veux dire. Ouais. Mais par contre, ceux qui sont dans la région ou quoi. Ils vont y passer, si même ils n'ont pas un gros budget, tac, tu vas avec 100 euros, tu peux repartir avec un ou deux trucs cool. Non, bien sûr. Voilà. Bien sûr. Voilà pour cette petite vidéo. Donc, on a essayé de tourner ça à deux pour faire le compte rendu un peu plus de manière sympa. Et puis, je vous dis à très vite. J'espère que la vidéo vous aura plu. Et puis, je vous dis à plus sur la chaîne. Ciao.